Bonjour tout le monde, c'est Jean-François de chez Mildorviolon.com. Je suis très content de vous retrouver euh, pour un deuxième dimanche de suite. Aujourd'hui, on fait un webinaire sur un thème qui va vraiment influencer beaucoup euh, la qualité de votre son. Je trouve que c'est un thème qu'on qu prend pour acquis parce que souvent on va apprendre cette technique-là euh, au tout début quand on commence à jouer. Et puis euh, après ça, on finit par l'oublier ou en tout cas on prend pour acquis que euh, on fait la bonne chose. Et pourtant, la tenue de l'instrument ce qu'on va regarder aujourd'hui en détail, euh, c'est ce qui va venir influencer le plus euh, vraiment la qualité de notre son, notre aisance à jouer. Et puis, euh, donc ça a vraiment un gros, un gros impact euh, sur, euh, ben, en fait, sur notre jeu au violon. Donc euh, voilà, j'ai préparé euh, ça aujourd'hui euh, pour vous. Euh, je vais commencer tout de suite à, en vous montrant la technique parce que je pense que le, notre objectif, ça va être de, un, vous montrer comment faire, mais après ça, vous expliquer aussi pourquoi on doit faire les choses comme ça. Parce que ce n'est pas tout de savoir la technique, mais c'est aussi de comprendre pourquoi est-ce qu'on le fait de manière à comprendre aussi c'est quoi les bénéfices d'utiliser cette technique-là. Donc je commence tout de suite en vous, en vous parlant euh, du, euh, de la tenue du violon. Euh, à, juste avant d'aller plus loin, euh, comme à chaque semaine on fait des petits webinaires comme ça, il y a peut-être des gens dans votre entourage que vous savez qui, euh, qui aimeraient euh, dans le fond suivre les webinaires. Euh, sur euh, plein de sujets pour ce qui est du violon. Aujourd'hui, c'est la tenue de l'instrument. Donc, je vous dirais, si c'est possible pour vous, de faire un petit partage. Euh, on est sur Facebook, on est sur Twitch, on est sur YouTube et on est sur mildorviolon.com, qui est notre site web. Et donc, euh, faites un petit partage, puis à ce moment-là, ça va permettre à plus de gens de venir participer à l'événement. Euh, en même temps, euh, je vois vos commentaires sur les différentes plateformes au fur et à mesure que le webinaire avance. Donc, euh, ben, si vous êtes là, dites-moi un petit bonjour. Puis, euh, de, de temps en temps, donc, je vais aller regarder, là, dans le fond, qu qu'est-ce euh, qu que vous avez à dire. Euh, donc, on commence ça, dans le fond, avec, euh, avec la tenue de l'instrument. Bon, ce qu'il faut savoir pour commencer, c'est que euh, quand on ne joue pas, justement, avec notre violon, c'est qu'on va venir le placer ici, en dessous de notre bras. Et ce qu'on va faire aussi, c'est juste une question de courtoisie, ça va être de faire en sorte que notre archet, mettons, je prends mon archet. Voilà. Alors, mon archet, je vais le garder comme ça, avec mon index, vers le bas. Ça permet d'être certain que, justement, c'est le plus proche de votre corps possible. Il y a moins de risque d'accrocher des parties. Vous voyez tout. Et puis, en même temps, c'est une question de, de politesse aussi, un peu, parce qu'un archet, bien, ça finit par... ça peut piquer. Hein? Donc, c'est juste... on garde l'archet par en bas, comme ça. Donc, ce qu'on va faire quand on a le violon en dessous du bras, on va mettre notre main euh, à l'épaule inférieure. On appelle ça ici des épaules du violon. Donc, à l'épaule inférieure du violon. Et puis, on met le pouce en arrière. Donc, comme ça, ça nous permet, en un simple mouvement, d'aller placer notre violon sur notre épaule. Pour ce qui est des pieds maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les pieds légèrement décollés. Donc à peu près, si vous voulez, euh, égal aux épaules de chaque côté. Donc les pieds légèrement décollés, on essaie de ne pas plier les genoux par en arrière, mais garder ça euh, assez flexible, si vous voulez. Et puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir placer notre violon sur le dessus de notre épaule. Et là, j'insiste, c'est sur le dessus de l'épaule et non pas le devant de l'épaule. Puis, je vais expliquer pourquoi plus tard, mais en gros, c'est une question de gravité. On ne veut pas que le violon s'en aille graduellement comme ça vers le bas. Donc, sur le dessus de l'épaule, et puis, pas nécessairement complètement à 180 degrés, le violon, euh, ce que je vous ai avec votre corps, là, il faut... Donc, ce n'est pas un violon qui est en avant, mais sur le côté, mais ce n'est pas complètement une ligne droite. Là. Ça peut être un petit peu sur le côté comme ça, mais vraiment très, très légèrement. Parce que ce que je trouve souvent, encore une fois, à cause de la gravité, c'est qu'on va mettre notre violon euh, beaucoup trop vers l'avant. Puis ce que ça fait en sorte, c'est que le violon tient de moins en moins bien au fur et à mesure qu'on qu joue dans notre pièce. Donc, juste bien le placer en haut, sur le dessus de l'épaule. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la fin du menton au début de la joue, donc cette partie-là ici, dans la mentonnière. Donc, voilà, comme ça ici. Et puis, ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre notre nez vis-à-vis -vis la corde de sol. Donc, la corde de sol, c'est la plus grosse. donc celle qui, euh, ben justement, est plus grosse que les autres. Et puis, c'est celle qui fait ce son-là. Donc, on met notre nez vis-à-vis -vis la corde de sol. Et puis, à partir de ce moment-là, on sait qu'on tient bien notre instrument. Le but ici, c'est de s'assurer qu'on a toujours un violon qui est complètement à l'horizontale, comme ça, ici. Okay? Bon, maintenant, pourquoi est-ce qu'on fait ça comme ça? C'est parce qu'on veut... Que le violon soit à l'horizontale pour plusieurs raisons. Premièrement, l'horizontalité va faire en sorte que, euh, dans le fond, notre archet en tant que tel ne, se, ne viendra pas se déplacer pendant qu'on joue. Je vous, donne, je vous montre un petit exemple comme ça. Lorsqu'on a notre archet avec un violon qui est bien à l'horizontale, notre archet n'aura pas une tendance. Alors que si notre violon, exemple, est trop bas, mais à ce moment-là, notre archet va avoir tendance à avancer comme ça, puis à ce moment-là, il va falloir le retenir. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui font du ski, mais vous savez très bien que à partir du moment où est-ce on n'est pas droit, puis on s'en va sur le côté, mais il y a un son qui vient avec ça quand on fait du dérapage justement. Mais à ce moment-là, le son, ça fait dans la neige, on s'entend. C'est un peu le même principe ici avec l'archet. Si vous avez un archet qui est droit, avec un violon qui est à l'horizontale, et puis que vous venez jouer comme ça ici avec votre archet facilement, qu'il n'y a pas une tendance vers le bas ou vers le haut qui ferait en sorte que votre archet to est toujours attiré d'un côté, mais à ce moment-là, le son risque d'être plus clair et plus pur. Donc ça, c'est une première chose. Ah, avant de l'oublier, quand vous vous placez devant votre lutrin en tant que tel, assurez-vous d'être vers la section de gauche. Admettons, c'est comme si vous mettez sur votre, votre lutrin euh, deux partitions. OK? Placez-vous vis-à-vis la partition de gauche. Ça va vous permettre, quand vous allez avoir votre violon sur votre épaule, de pouvoir voir les partitions juste un petit peu à droite de votre champ de vision. Et puis, à gauche, vous allez pouvoir regarder vos doigts. Donc, le passage de partition à doigt, partition à doigt, va se faire vraiment facilement. Donc, ça, c'est une chose bien importante. Et l'autre chose aussi, c'est le lutrin. Assurez-vous de l'avoir à la hauteur des yeux. Comme on a dit, on essaie d'avoir un violon qui est complètement à l'horizontale. Donc, si on veut avoir justement un violon à l'horizontale, ben, il faut s'assurer que notre lutrin va être à la hauteur de nos yeux, sinon on va avoir une tendance à vouloir regarder notre partition un peu plus bas. Même chose si le, le, le lutrin est trop haut, mais souvent pour des gens, exemple, des gens qui sont un peu plus grands comme moi, mais ben, à ce moment-là, on a, on a toujours des lutrins qui sont un peu trop petits. Fait qu'on a toujours cette, cette tendance-là. Fait il faut essayer de trouver un lutrin qui va être parfait pour votre taille, juste à la hauteur de vos yeux. Euh, voilà pour ça. Après ça, qu'est-ce que j'ai oublié de dire? Euh, ah oui, ça c'est une des choses les plus importantes. Je m'en voudrais d'avoir oublié ça. Donc le but quand vous avez, euh, quand vous jouez, c'est aussi de garder la colonne droite et les épaules ouvertes. Et ça, ça va être très 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 important. Je vais l'expliquer un peu plus tard. Mais en gros, c'est ça. On se tient... Souvent, qu'est-ce que je dis aux élèves pour pouvoir retrouver ça Faire un peu comme ils font au ballet. C'est-à-dire, ben en tout cas, moi, on m'a expliqué ça. Au balai, ils disent « rentre le ventre, rentre les fesses ». De cette manière-là, la colonne reste droite. Et ce qu'on va faire aussi, un autre truc qui m'a été montré par euh, un physiothérapeute, pour s'assurer que les épaules sont droites, mais pas trop arquées vers l'arrière, etc., mais juste bien placées, c'est qu'on va venir lever les épaules, reculer les épaules et baisser les épaules. Et à ce moment-là, on a une belle ouverture qui est naturelle puis le but, c'est de ne pas arquer justement, avoir le ventre par en avant ou à l'inverse, et ça, c'est ce que je vois souvent, des épaules qui vont vers le bas. Le but, justement, c'est d'essayer d'éviter de refermer notre espace le plus possible. Donc, avec colonne droite, les épaules ouvertes, justement, ce qu'on va faire, on place notre violon, comme on l'a dit, sur le dessus de l'épaule. On va mettre le nez vis-à-vis de -vis la corde de sol. Et puis à partir de ce moment-là, normalement, comme le violon est sur le dessus de l'épaule, ben le menton et début de joue, comme on a dit, qui est dans la mentonnière et l'épaule ensemble, devrait être suffisant pour pouvoir faire en sorte que le violon tient seul. Et ça, c'est une des choses les plus importantes. On a parlé de l'horizontalité, donc d'avoir un violon à l'horizontale. Pourquoi Pour l'archet, entre autres, euh, qui n'aura qui pas tendance à bouger. Mais. Euh, euh, mais justement, d'avoir. Voyons. Donc, qu'est-ce que je disais J'ai perdu mon fil d'idée. Euh, qu'est-ce que je disais Je ne m'en souviens plus. Euh, ça va me revenir. Je vais revenir avec ça. Donc, euh, c'est ça. D'avoir un violon comme ça ici sur le dessus de l'épaule le plus possible. Ah oui, c'est ça. Donc, on veut avoir un violon qui reste sur le dessus de l'épaule comme ça et qui reste facilement. Donc, de cette manière, en étant sur le dessus de l'épaule le nez vis-à-vis -vis la corde de sol, on est capable de le laisser en équilibre. Et le fait d'être en équilibre, ça, ça va être une chose importante. Ça va faire en sorte que, autant notre main droite avec notre archet, que notre main gauche ici, va être complètement indépendante et va pouvoir justement monter au niveau du manche pour aller jouer éventuellement, pas au début, mais des notes dans les aigus, et puis euh, faire du vibrato, etc., etc., et puis, à ce moment-là, le violon, lui, il tient seul. On n'a pas besoin d'y penser. Parce que souvent, qu'est-ce qu'on qu -ce qu oublie? C'est que les gens pensent que le violon est retenu par notre bras. On a notre bras-là, mais c'est une erreur. En fait, il y a plusieurs violonistes qui font cette erreur-là, justement. Ils vont utiliser leur main gauche pour retenir leur instrument. Et souvent, ça vient aussi couplé avec le fait que leur violon n'est pas sur le dessus de l'épaule, mais il est avancé comme ça. Et même, j'en ai vu, en cravate comme ça. Maintenant, si, si vous avez justement cette problématique-là, la gravité rentre en ligne de compte, donc on a besoin de serrer pour faire en sorte que le violon tienne seul. Et souvent, bien, ça devient difficile, plus difficile avec le temps. Donc, on, on est obligé de retenir notre violon avec notre main. Puis à partir de ce moment-là, on n'a plus cette indépendance-là. La main est obligée de tenir l'instrument. Et c'est souvent ce qui fait en sorte que la plupart des violonistes que je vois avec cette technique-là euh, ont de la misère justement à aller rapidement, ont de la misère à avoir de l'aisance et ont de la misère, dans le fond, à avoir justement une main qui est indépendante avec leur instrument. Donc, encore une fois, dessus de l'épaule, on veut que ça tienne seul. Donc, pratiquez-vous à la maison justement à faire en sorte que ça tienne seul. Et à partir de ce moment-là, ben, vous allez sentir que justement votre main gauche devient dépendante. Donc, dans le fond, c'est comme si. Euh, ben, c'est ça. En fait, c'est vraiment qu ce qu'on veut avoir. Je vais faire. Euh, euh, indépendance, voilà. On a parlé de la gravité. OK. Alors, maintenant, une autre raison pour laquelle c'est important d'avoir les épaules ouvertes, la colonne droite. Il euh, y a une question d'élégance aussi, une question que lorsqu'on va jouer, c'est toujours plus beau, comme dans tous les arts classiques, d'avoir un musicien qui est bien tenu comme ça, ouvert, qui semble être en confiance. Quand vous allez au théâtre pour projeter la voix, quand vous, a, quand vous regardez des chanteurs, justement, ça se tient souvent droit. Au ballet, même chose. Donc, dans tous les arts classiques, d'avoir une belle posture, c'est toujours agréable visuellement. Mais il y a aussi une autre chose. Ce qu'on veut... C'est justement à voir en ouvrant les épaules, en mettant le violon par en haut comme ça. Naturellement, notre archet, quand il va venir se placer comme ça ici sur les cordes, comme vous pouvez voir, il va être à 90 degrés avec les cordes. Okay? Tout naturellement. En ayant la bonne technique, on a 90 degrés avec les cordes. Regardez bien. Mon bras et l'archet sont parallèles. L'avant-bras et le violon aussi sont parallèles. Donc, ça fait ce qu'on appelle une. Euh, ce que j'ai appris, moi, c'est on appelle ça une position carrée. Donc, ça fait une position carrée ici. On voit le carré. Et puis, à partir de ce moment-là, c'est beaucoup plus facile de travailler avec notre archet et, et faire en sorte que notre archet reste droit. Si de base, on est trop avancé, vous voyez que l'archet va avoir cette tendance-là à être sur le côté comme ça ici ou aller, ben, si vous voyez comme ça, derrière notre oreille. Hein? Et même chose. Si notre coude est trop reculé, on va avoir tendance comme ça à avoir un archet qui est sur le côté. Donc, il faut faire attention un petit peu à ça, d'avoir des épaules ouvertes, violon sur le dessus de l'épaule, et naturellement, quand on se place dans le milieu de l'archet, on devrait avoir une position carrée. Euh, et, ah oui, c'est ça. Et ça, c'est beaucoup, c'est vraiment important parce que euh, cette ouverture-là qu'on a avec le violon, les épaules ouvertes comme ça, ça fait en sorte que devant nous, on a tout notre espace pour venir jouer. Donc, qu'est-ce qui se passe C'est quand je vais aller sur la corde de mi, corde de la, corde de ré, corde de sol. Vous voyez, j'ai rien qui vient m'empêcher en avant. Ce n'est pas le cas lorsque je joue euh, avec un violon qui est trop bas. Je vais avoir tendance à être pogné un peu sur moi, si vous voulez. Pris sur moi pour les Français. Donc, et ça va faire aussi en sorte, regardez bien, quand je joue sa corde de Mi, La, Ré, Sol, voyez-vous que j'ai à peu près ça d'espace ici devant moi pour faire les quatre cordes. À l'inverse, si j'ai mon violon, comme on le dit, bien placé sur le dessus de l'épaule, le nez vis-à-vis -vis de la corde de Sol, et que là je vais passer de la corde de Mi à la corde de Sol, regardez bien. La, Ré, Sol. Regardez tout l'espace que j'ai devant moi. Et qu'est-ce que ça fait, ça, d'avoir plus beaucoup d'espace pour changer de corde? Ici, on l'a vu, quand j'avais le violon comme ça, j'avais à peu près ça d'espace. Quand ici, je m'en vais avec une, un violon bien tenu, je vais avoir tout ça d'espace devant moi. Et ce que ça fait, c'est que pour changer de niveau, si je suis à corde de Mi, La, Ré, Sol, j'ai plus de distance à parcourir. Et comme j'ai plus de distance à parcourir entre deux cordes, mi à la, la à mi, j'ai toute cette distance-là, mais ça fait en sorte qu'il y a moins de risque d'erreur. Parce que quand on est en avant comme ça, puis que mi et la sont si proches, bien justement, on risque de plus accrocher les autres cordes. Donc, encore une fois, la technique, vous voyez comment euh, la posture, la tenue du violon vient complètement influencer notre son. Euh, donc, ça vient nous donner de l'aisance, ça vient donner de l'élégance euh, aussi à avoir. Ça, je te dirais, c'est peut-être la, la chose la moins importante, mais c'est quand même bien important, surtout quand vous commencez à faire des concerts. Euh, sinon, il y a la question de la gravité qui va faire en sorte que votre archet, justement, va se déplacer ou non sur votre violon. Le fait aussi que la gravité fait en sorte qu'on se sent obligé de retenir l'instrument si on ne le tient pas bien. Et ça, ce que ça fait, c'est qu'on perd notre indépendance entre la tenue du violon et notre, notre main gauche. Non, on veut avoir notre main gauche complètement indépendante. Donc, vous voyez, tous ces petits points-là ici vont faire en sorte que la technique de bien tenir votre instrument va avoir une incidence majeure sur votre son. Je vais, euh, je vais prendre le temps d'aller sur Internet parce que... Je veux voir si vous avez des questions. Je vais être certain de ne pas en oublier. Donc, euh, voilà comme ça ici. Je fais le tour. Donc, je, veux, je suis sur Facebook en ce moment. Euh, Facebook, il y a de la misère à s'afficher un peu. Je sais que c'est un petit peu plus long quand je, quand je prends le temps d'aller regarder sur Internet. Ça donne moins de contenu. D'un autre côté, je sais que vous appréciez ça aussi quand vous avez une question. Donc, je vais prendre le temps de bien le faire. J'ai de la difficulté avec Facebook. Je vais réessayer. Ça ne sera pas trop long. Alors. Donc, n'hésitez pas, si vous avez n'importe quelle question, de décrire dans les commentaires. Tout va bien, très bien expliqué. Merci, je sais cela. Merci beaucoup, euh, Cynthiane, euh, d'être avec nous aujourd'hui. Je suis curieux, Cynthia. dis-moi, est-ce que tu as eu des cours de, de violon euh, euh, auparavant ou est-ce que tu commences euh, directement euh, en ce moment? Donc, euh, si tu veux, écris-moi écris ça. Je suis vraiment curieux de voir euh, c'est quoi ton background justement au, pour ce qui est du violon. Puis ça me fait plaisir. N'hésite pas, euh, Cynthiane, si tu as des questions aujourd'hui, je suis vraiment là pour toi. Si n'importe quelle question que tu aurais. Aujourd'hui, on parle de la tenue du violon. Mais euh, si tu as des questions sur, euh, je ne sais pas, sur l'archet, sur euh, la tenue de l'archet, etc., je suis là euh, justement pour répondre à toutes vos questions aujourd'hui. Donc, euh, vraiment, euh, sentez-vous bien à l'aise. Euh, parfait. Donc, Facebook, c'est fait. Euh, je regarde les autres réseaux sociaux ici. Ça, ça va. Puis YouTube, souvent, il y a beaucoup de gens sur, sur YouTube. En tout cas, dans les dernières semaines, je vais aller regarder. Voilà. OK. Bonjour de Paris. Bonjour Marc. On se retrouve aujourd'hui. Euh, Laura, bonjour de France. Bonjour Laura. Est-ce qu'une épaulière est nécessaire? Ah oui, hein, ça c'est une, une bonne chose. Effectivement, je vais en parler. Bien, une épaulière, et ça c'est une question d'Antoine. Une épaulière, voici à quoi ça ressemble. Parce que j'ai complètement omis d'en parler. Donc, <laughs> mais oui, effectivement, c'est important. Une épaulière, ça ressemble euh, à cela ici, mais il y a aussi différents modèles d'épaulières. Et ce que ça vient faire, une épaulière, ça vient nous aider à retenir notre instrument. Je vous montre qu'est-ce que ça donne. Euh, il y a souvent des petits crochets comme ça ici qu'on vient accrocher. On veut avoir toujours la portion creuse. Il y a une portion, je vais essayer de vous le montrer. Là. Euh, sur l'épaulière, vous allez voir, il y a une portion qui est, voilà, sur le blanc, on voit mieux, une portion qui est creuse et une portion bombée. La portion qui est creuse, on veut l'avoir sur votre violon, si vous regardez le dos de votre violon à droite. On vient accrocher comme ça ici. Et puis on remonte comme ça pour que ça soit plus ou moins dans le milieu, là, ici, là. si vous prenez cette section-là, à peu près dans le milieu. Et ce que ça va faire, c'est que ça fait en sorte que ici, notre euh, justement le creux s'en vient euh, épouser la forme de notre épaule. Et en avant, la petite bosse, donc la partie qui est bombée, elle vient faire en sorte que notre violon, justement, euh, est retenu un peu plus haut. Donc souvent, ce que ça fait, c'est que ça vient nous aider justement à tenir notre instrument. Moi, j'aime beaucoup ce type d'épaulière-là, justement parce qu'il me permet de garder la, euh, la bonne forme. Et aussi euh, notre... Euh, ça fait en sorte que ça, ça, ça permet au violon de rester plus en place. Euh, voilà pour ça. Il y a plusieurs types d'épaulières, par contre. Là, il y a cette épaulière-là que vous avez vue, mais il y a des épaulières qui ressemblent aussi euh, à des espèces de petits coussins, ou si vous voulez, des ballons gonflables. Et puis, on, notre, le ballon gonflable, justement, il... Donc, on le gonfle, ça va ressembler à, justement comme une petite éponge, si vous voulez, et on vient l'accrocher de, des deux côtés. Maintenant, laquelle est préférable entre celle-ci et euh, l'épaulière qui est comme un ballon gonflable? Et d'autres épaulières aussi qui peuvent ressembler à ça, mais qui sont, euh, qui sont admettons, plus, euh, plus creuses ou plus bombées, etc. La vraie différence, c'est comment vous allez vous sentir. Et ça, c'est vraiment important de le dire parce qu'il y a toute une notion de confort que je veux vous parler euh, tantôt, mais c'est important de se sentir confortable. Moi, j'aime cette épaulière-là, mais il y a d'autres violonistes qui ne sont pas capables. Et ils sentent que c'est trop euh, ça, ça nous restreint trop. Euh, il y a d'autres personnes qui, euh, qui aiment ça parce que justement, ça, donne, ça met de la structure, un peu comme moi. Mais le but, dans le fond, c'est aller voir votre luthier. Demandez-lui différents types d'épaulières et essayez-les sur place. Si vous n'avez pas d'épaulières, je vous recommande aussi, euh, et là je, je m'approche beaucoup plus de, de, de ta question Antoine, euh, euh, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, c'est ça. Ce pas nécessaire d'avoir une épaulière, mais si tu n'as pas une épaulière, il faut s'assurer que euh, le violon en arrière, il euh, y a une espèce de... de de vernis dessus qui fait en sorte que c'est assez glissant. Et donc si vous mettez le violon directement sur l'épaule comme ça, vous allez avoir tendance à sentir que le violon justement, un peu comme on disait tantôt, le, le violon va aller, va glisser beaucoup plus facilement vers l'avant, puis vous allez justement perdre votre indépendance de la main gauche, etc. Donc euh, au minimum, si vous n'avez pas d'époulière, prenez... Euh, les éponges commerciales, attention, je ne parle pas d'un SOS parce que vous allez voir que le vernis ne va pas tenir très très longtemps, mais des petites éponges qui sont douces euh, ou euh, des petits coussins, vraiment on veut avoir quelque chose de mince parce que notre but, ce n'est pas que ça, que ça vienne remonter trop notre cou, à ce moment-là, ça va être désagréable, mais assez mince ou un peu plus euh, à vous de voir, dépendant justement de la hauteur de votre cou. Puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir attacher avec une élastique. Et ce qu'on va faire, on va placer l'élastique alentour de la mentonnière. Et en arrière, on va venir attacher l'élastique sur les deux coins. Le coin ici ou le coin là. En fait, les deux. Moi, je pense que c'est la meilleure façon. Donc, il faut avoir quand même un, grand, un assez grand élastique. Et ça va retenir justement notre petit coussin ou notre éponge sur notre violon. De base pour les violons qui sont euh, à partir de 1,5 en descendant, donc plus les violons pour enfants, si vous voulez, euh, moi je recommande une éponge. Pourquoi? Parce que l'épaulière, une problématique avec ça. Je ne sais pas pourquoi, mais les fabricants d'épaulières ont tendance à avoir exactement la même hauteur que ce soit une épaulière pour enfants que une épaulière pour adultes. Puis à ce moment-là, qu'est-ce que ça fait? Ça fait en sorte que l'enfant est pogné avec un violon qui est vraiment très haut. C'est très désagréable. Je ne sais pas pourquoi ils font ça, mais c'est tout le temps ça. Ils font juste réduire la, euh, la dimension de l'épaulière comme ça, mais c'est toujours la même hauteur. Ça devient vraiment une problématique, en mon sens. Ça ne devrait pas être comme ça, mais c'est le cas. Donc, je vous dirais, faites attention à ça. Les violons demi en descendant, allez-y avec une éponge, tout simplement, qu'on vient attacher euh, sur notre violon. Euh, et voilà, donc ça va faire en sorte que ça va être antidérapant. Ça, c'est une chose qui est bien importante, justement pour garder notre indépendance. Donc, Antoine, voilà. Euh, Est-ce qu'il est nécessaire pour se mettre le, le manteau sur le violon? Yves Pierre, je vois ta question. Je ne euh, comprends pas exactement quest ce que tu veux dire. Si tu veux préciser, ça serait, euh, ça serait bien apprécié. Laura. Euh, mettre l'épaulière quand on a une boîte dure qui a la forme du violon. Où on met l'épaulière? Ah oui, ok, je comprends euh, la question ici. En fait, euh, l'aura, euh, souvent quand on a une boîte dure, justement, effectivement, qui épouse la forme du violon, l'épaulière en tant que telle, souvent ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir faire en sorte qu'elle vienne épouser justement euh, la forme de notre violon. On peut aussi mettre de côté comme ça, les. Euh, euh, ce qui vient s'attacher. Je ne sais pas c'est quoi le nom, mais... Et puis, on, on peut mettre comme ça ici l'épaulière. Donc, souvent, ça fonctionne assez bien. Il faut, faut trouver un peu à gauche, à droite, mais on vient, dans le fond, aller dans le même sens euh, que, notre, euh, que notre manche et notre volute. Donc, c'est la façon de faire pour que ça entre. Euh, moi, je recommande souvent euh, aux gens... Euh, si vous avez le choix parce que souvent le boîtier vous est donné avec l'instrument mais s'il ne l'est pas prenez un boîtier qui est carré. Euh, ça va vous donner de l'espace parce ce que vous allez vouloir avoir vos sourdines, vos cordes de rechange, euh, un petit linge pour nettoyer votre instrument, euh, votre épaulière, etc., etc. Souvent un crayon aussi parce que quand on fait exemple de l'orchestre, qu'on joue avec d'autres instrumentistes, toujours bon d'avoir un crayon proche pour venir écrire. Donc moi j'aime bien les, les, les boîtes de violon qui sont carrées, ça nous donne justement cet espace-là. Laura, voilà, vous expliquez très bien votre matière. Merci beaucoup Antoine, c'est très gentil, j'apprécie beaucoup. Euh, Marc Boudet, euh, pour ma part j'ai deux mois de pratique et vous m'avez fortement aidé. Si vous savez comment ça me fait plaisir d'entendre ça, j'en je, suis presque ému. Écoutez, je suis comme ça, je suis quelqu'un de sensible dans la vie. Je trouve ça vraiment formidable d'avoir ces témoignages-là. J'ai tellement mis mon cœur, mon âme là-dedans, et puis de savoir que ça vous aide, ça fait tellement plaisir. Euh, Antoine, après six ans de violon, je n'avais jamais su si l'épaulière était nécessaire. Merci. Ça me fait plaisir, Antoine. Euh, Laura, on peut mettre jusqu'à combien de doigts sur la même corde quand on joue un morceau? Euh, sur la même corde, ben en fait, c'est assez simple. Euh, Laura, en fait, au violon, notre, euh, notre pouce ne joue jamais. Euh, bon, à peut-être dans la musique contemporaine, mais normalement, le pouce ne joue pas au violon. Donc, à ce moment-là, combien de doigts en même temps On peut placer jusqu'à quatre doigts en même temps et il faut le faire. Pourquoi Quand vous placez quatre doigts en même temps, là, je sais, je sors de la tenue du violon, mais ce n'est pas grave, je, je veux te répondre. Donc, quand on place quatre doigts en même temps, ça nous permet justement, et euh, on va placer nos quatre doigts, mais on va s'assurer d'avoir la bonne formation par rapport à la tonalité de la pièce. Je sais que c'est compliqué à comprendre, mais en gros, c'est comme si je vous disais normalement dans cette pièce, vous devriez mettre le doigt là, là, là et là, et non pas ici, et non pas ici, etc. Si ça, c'est votre formation, quand vous placez les quatre doigts d'un seul coup, on appelle ça jouer en groupement de doigts, justement, mais à ce moment-là, on essaie de mettre les doigts en même temps. Si vous jouez quatre doigts, il faut mettre les quatre. Si vous jouez trois doigts, il faut mettre les trois. Et ça nous permet d'avoir cette rapidité-là supplémentaire parce que, en ayant justement les quatre doigts déjà placés, si on joue les doigts à, euh, un après l'autre qui descendent, mais à ce moment-là, on n'a qu'à en enlever les doigts et ça fait en sorte que nos doigts sont déjà bien placés ils font déjà la bonne note. Maintenant, si ta question, parce qu'elle peut avoir plusieurs aspects, Laura, euh, jusqu'à combien de doigts sur la même corde quand on joue un morceau? Donc, c'est quatre doigts, on, on le voit. Euh, si ta question est... Non, si tu dis sur la même corde. Si tu m'avais dit sur des cordes différentes, à ce moment-là, on peut placer, en fait, nos quatre doigts, euh, un, deux, trois, quatre, chacun sur, euh, sur des cordes différentes, peu importe où est-ce qu'ils vont. Puis à ce moment-là, ça nous permet de faire des accords au violon. Euh, J'irai pas plus loin dans, dans ce détail-là, mais je pense que voilà pour ça. N'hésitez pas avec vos questions. Je trouve que vraiment, vous avez des bonnes questions aujourd'hui. Euh, je reviens à Facebook parce que j'avais de la difficulté tantôt. Tout va très bien. Euh, oui, euh, oui, violon classique, quelques années, de l'enfance à l'adolescence. OK, bien, je suis bien content que tu sois avec nous, euh, euh, Cynthiane Dubois. Merci beaucoup. Et puis, euh, euh, si, euh, si tu as le goût, je vais le dire tout de suite, je le dis à toi, mais en même temps à tous ceux qui nous écoutent. Si vous avez le goût d'apprendre le violon ou de vous remettre au violon et vous avez fait quel, seulement quelques cours, admettons, euh, pas, oui, euh, de l'enfance à l'adolescence. Alors, peut-être que toi, tu, à ce moment-là, tu es euh, euh, un peu plus avancé. Mais pour ceux qui aimeraient commencer ou qui ont eu à peine quelques cours de violon, sachez que si vous aimez ma façon d'enseigner, vous, si vous trouvez ça clair, on a préparé pour vous un cours qui s'appelle le cours « Violoniste débutant ». Vous allez sur notre site, je vous le mets ici. Voilà, ça fonctionne, notre site web. <laughs> Donc, mildorviolon.com. Et sur mildorviolon.com, vous allez avoir en haut un menu. Vous cliquez sur cours en ligne. Et dans cours en ligne, vous allez voir le cours violoniste débutant. Maintenant, qu'est-ce que c'est? En gros, c'est un cours de violon entièrement sur Internet. À ce moment-là, vous avez 11 heures de contenu vidéo, donc euh, c'est 80 capsules pour vous parler de petits sujets, la tenue du violon, la tenue de l'archet, euh, la théorie musicale, etc. Donc, vous avez tutoriel vidéo, partition, accompagnement, tout ce qu'il vous faut, des quiz, euh, des exercices, euh, des études, des pièces. Vous avez tout ce qu'il faut pour apprendre par vous-même. Et, mais là, il y en a certains qui vont me dire ouais, apprendre par moi-même, mais si j'ai une question, qu'est-ce que je fais? Deux choses. Venez au webinaire. Ou sinon, ben, il y a toujours une façon de, de se rencontrer en privé. D'ailleurs, à côté de cours en ligne, en haut dans le menu de mildearvion.com, vous avez euh, consultation privée ou cours privé. Et puis à ce moment-là, vous avez euh, la chance de euh, prendre un rendez-vous. Vous allez sur euh, euh, sur le bouton prendre rendez-vous. Et puis à ce moment-là, vous, vous choisissez le jour, vous choisissez l'heure parmi celles qui sont affichées. Et puis à ce moment-là, on se rencontre. Euh, sur euh, Messenger, donc on, ça va être encore même plus direct. C'est un, un appel vidéo, donc je vais être à même de pouvoir voir euh, comment vous tenez votre instrument, comment vous faites euh, votre technique. Puis à ce moment-là, vous donnez un service qui est complètement personnalisé à 100%. Donc voilà, c'est ça, Dor Violon, en gros, nos deux, euh, nos deux trucs principaux le cours violoniste débutant qui vous permet d'avancer le plus possible par vous-même, et quand vous avez des questions, les cours privés. Donc voilà pour ça. J'entre Je, maintenant pour ce qui est de, du thème du confort. Il y a beaucoup de gens qui disent au début, surtout dans les premiers cours, on est tout excité, on veut commencer à jouer du violon, puis on se dit, ah, ça fait des années que j'en rêve. Et là, soudainement, on prend notre violon, d'autant plus Antoine, s'il n'y a pas d'épaulière, mais euh, justement, si tu, si tu as vécu ça, on met notre violon sur notre épaule, puis là, soudainement... Ça, c'est une autre raison pour laquelle il faut avoir une épaulière, parce que du bois sur un épaule, c'est pas très, très, très agréable. On sent les os, etc. Donc on met le violon pour la première fois, puis là, on espère que ça va être le coup de foudre avec l'instrument. Puis la problématique qu'on a, c'est que ça fait mal. Puis ça nous démotive complètement. Après le premier cours, on se dit Ah mon Dieu, je pensais que le violon, c'était pour être le fun mais tout ce que je peux penser, c'est que j'ai eu mal pendant tout le cours. OK, il y a des choses à savoir pour ce qui est de la tenue de l'instrument. Premièrement, dans les paramètres que je vous ai dit, donc violon sur le dessus de l'épaule, menton, menton et début de la joue dans la mentonnière, nez vis vis-à-vis de la corde de sol, etc. Ça, ce sont les paramètres généraux pour s'assurer que notre violon tient bien et puis qu'on qu a la bonne technique. Maintenant, à l'intérieur de ces paramètres généraux-là, que votre violon soit ici, 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 on ne veut pas qu'il soit là, mais s'il reste et il reste à l'intérieur de ces paramètres-là, à ce moment-là, trouvez votre zone de confort aussi. Est-ce que, par exemple, votre épaulière, est-ce qu'elle est, qu est euh, trop loin? Souvent, j'ai des, des, des violonistes qui me disent ça. Euh, qui découvrent que leur, épa euh, leur épaulière est trop loin. Pourquoi Qu'est-ce que ça fait C'est en ayant l'épaulière trop loin, on a tendance à avoir un violon qui est comme ça. Et puis à ce moment-là, le bois vient nous toucher à la clavicule ici. Pas vraiment intéressant. Donc peut-être de rapprocher votre épaulière. Faites des tests comme ça. Vos épaulières aussi, euh, si elles ressemblent à euh, la mienne, il y a moyen ici de dévisser pour faire en sorte qu'elles viennent sortir ou rentrer. Donc les deux sont indépendantes. Moi, j'aime bien avoir celle qui est plus proche de mon épaule, plus euh, rapprochée, peut-être parce que je n'ai pas un grand coup, euh, et celle qui est en, euh, proche de, de la bosse, si vous voulez, un peu plus large, ce qui me permet de faire en sorte que l'épaulière, si vous voulez, elle remonte le violon plus naturellement. Donc ça, c'est la façon que moi, j'aime Justement, faites des tests comme ça. Faites des tests sur l'emplacement de votre violon. Faites des tests aussi. Euh, sur euh, votre épaulière. Après ça, qu'est-ce qu'on aurait d'autre aussi que j'ai pris? Ah oui, bien important. Quand vous mettez votre violon, on va mettre le violon dans le fond du cou. Maintenant. Dans le fond du cou, ça veut aussi dire qu'on a une mentonnière. On a une mentonnière ici. On a, euh, bon, euh, les tables d'harmonie, les éclisses. On a aussi le bouton. On a euh, tout, ce qui est, tout ce qui retient la mentonnière qui s'en vient un peu dans cette zone-là ici. Pour certaines personnes, ce n'est pas un problème. Pour d'autres, ça fait mal ou c'est inconfortable. Donc, il existe des solutions pour ça. Pour ceux qui sont inconfortables, premièrement, bien évidemment, n'allez pas complètement au fond, puis surtout pas de pression. Donc, à ce moment-là, vous pouvez vous décoller un tout petit affaire comme ça ici. Peut-être que ça va vous aider. Deuxièmement, il existe des espèces de petits coussins qui vont sur le dessus de votre mentonnière que vous pouvez acheter, ça se trouve sur internet ou ça se trouve chez votre luthier. C'est ce que je recommande tout le temps parce que vous allez avoir différents produits que vous allez pouvoir essayer. Donc, euh, c'est ça, un petit coussin comme ça ici et qui vient souvent aussi recou recouvrir le bouton et euh, bon euh, les, les, les attaches pour la mentonnière. Euh, donc c'est ça, ça, ça existe. Sinon euh, c'est aussi simple que de dire on prend un petit linge, un linge à vaisselle à la limite, mais quelque chose le plus doux possible qu'on vient placer comme ça ici. Et pour certaines personnes, ben, ça, fait, ça fait le travail. Dans le fond, là, il faut se mettre dans une situation où on se sent confortable. Ça, c'est important, de se sentir confortable avec notre instrument. Qu'est-ce que j'ai d'autre aussi Pas de pression, dans le fond, du coup. Euh, faire des tests, j'en ai parlé. Des épaulières différentes, j'en ai parlé. Et après ça, oui, c'est la dernière chose que j'ai marquée. Donnez-vous du temps aussi. Je sais que souvent, quand on commence un instrument, puis que soudainement, au premier cours, c'est pas confortable, vous savez, la première impression, elle fait pas beaucoup sur comment on va se sentir par rapport à notre violon. Moi, je suis là pour vous dire, donnez-vous du temps. Euh, parce que souvent, ça va prendre à mes élèves, un bon deux semaines, si vous voulez, avant d'être complètement à l'aise avec, avec leur position. Faites des tests pendant ces semaines-là. Dans le fond, le temps que vous allez mettre à travailler sur votre confort, c'est du temps que vous allez mettre et qui va être bien investi. Parce que justement, après ça, si vous vous dites, OK, j'ai passé un deux semaines, j'ai vraiment travaillé, finalement, j'ai réussi à avoir un violon qui est confortable pour moi. Mais c'est un deux semaines que vous allez, qui va peut-être vous avoir évité de dire « Ah, finalement, c'est pas pour moi, j'aime pas ça, puis merci, bonsoir. » Puis tout le plaisir qu'on a à jouer de la musique, à jouer du violon, à se sentir proche de notre instrument, à avoir cette, ce, ces temps libres-là aussi qui sont remplis de musique, c'est vraiment un investissement qu'on fait d'apprendre la musique de base, le violon ou peu importe quel instrument. Donc, prenez ce temps-là. Dites-vous OK, ça n'a pas fonctionné sur le moment. Je prends le temps de faire des tests. J'essaie différentes choses. Peut-être que je vais voir le luthier pour essayer différentes épaulières. Peut-être que j'essaie euh, avec... Ah oui, ça, j'ai oublié de vous dire. Il y a aussi des mentonnières différentes. Hein? Il y a des mentonnières, vous allez voir, euh, la mienne n'est assez... pas très, très creuse en tant que telle, mais il y, a des... il y a des mentonnières qui vont relever un petit peu plus et qui vont en faire en sorte que ça vienne un petit peu plus à à... au niveau de la mâchoire, en dessous de l'os de la mâchoire. Pour certaines personnes, c'est formidable. Euh, parce que ça permet justement plus facilement de retenir l'instrument. Pour d'autres personnes, c'est vraiment très inconfortable. Donc encore là, justement, allez voir votre luthier. Est-ce qu'on peut avoir une mentonnière qui est différente? Est-ce que je peux avoir une épaulière qui est différente? Est-ce que j'ai un coussin que je peux rajouter? Est-ce que moi, je peux me rajouter un linge? Est-ce que c'est trop haut, euh, euh, l'épaulière? Est-ce que je ne devrais pas baisser, rentrer à l'intérieur? Je vous l'ai montré comment dévisser. Rentrer à l'intérieur pour que ce soit un peu plus bas. Est-ce que c'est trop loin, l'épaulière trop proche, etc. Faites beaucoup de tests comme ça. Je vous ai montré beaucoup de choses. Et c'est tous des paramètres qui vont faire en sorte que vous allez être capable euh, d'améliorer votre confort. Mais on n'oublie pas, et je vous, le, je vous le donne pour la dernière fois, le violon sur le dessus de l'épaule. On veut avoir dans le fond du cou, sans pression, menton et début de la joue comme ça ici dans la né vis-à-vis de la corde de sol, un violon à l'horizontale, les épaules ouvertes, ont une colonne bien droite. Ça, c'est les paramètres qui vont faire en sorte que vous allez avoir du succès et de l'agrément pour jouer aussi. Euh, je vais faire un tour des réseaux sociaux parce que c'est pas mal vers la fin. Euh, J'ai un dernier petit sujet, mais il, il va se faire assez rapidement. Je vais faire le tour. Donc, sur Facebook, je vais juste voir s'il y a d'autres questions. C'est vraiment un sujet euh, qu'on qu minimise. Voyez-vous, ça fait déjà 40 minutes qu'on parle simplement de la tenue de l'instrument et ça a une incidence majeure sur notre son, sur notre, euh, sur comment on va se sentir, euh, sur euh, la qualité de nos notes aussi, la pureté de notre son. Euh, donc c'est vraiment sous-estimé. Euh, bon, j'ai toujours de la misère avec Facebook, on dirait. Je vais recommencer. Ça ne sera pas long, je sais. Armez-vous un peu de patience dans ces moments-là. J'essaie de faire le plus vite que, que je suis capable. Merci d'être là en si grand nombre aujourd'hui. Je suis vraiment content que vous soyez là. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de, de gens aujourd'hui. C'est vraiment vraiment agréable. Donc je veux faire, je veux prendre le temps de faire le tour parce que je vois qu'il y, y a des commentaires. Bon, voilà. Euh, OK. Euh, Salma, euh, vous pouvez faire une séance pour montrer la vibration. C'est dans mes plans. Sachez que moi, je ne le recommande pas au début, faire euh, du vibrato qu'on appelle justement. Euh, je ne le recommande pas au début. Pourquoi? Parce que avant de vibrer, puis faire, donc de faire du vibrato, il faut s'assurer que nos doigts savent exactement où se placer. Si vous n'avez pas développé votre oreille encore, ou si vous placez vos doigts, puis des fois ils vont dépasser leur collants, parce que euh, par exemple, euh, sur notre site web, vous pouvez savoir où mettre euh, justement des collants sur votre violon pour s'assurer de la justesse. Si vous n'êtes pas certain de la justesse, si vos doigts se déplacent, en plus de rajouter de la vibration, ça va juste faire en sorte que justement, notre, euh, il y a plus de risque d'être faux. Et ça, c'est une des, des choses que je trouve qui est un fléau en ce moment. C'est beaucoup de professeurs euh, disent, OK, je veux, euh, je veux aider mes élèves pour qu'ils se mettent à, à, à développer leur oreille. Donc, on ne mettra pas de collant sur le violon, il va être obligé de penser à son oreille. C'est une erreur, et une grosse erreur, et une erreur qui va avoir des répercussions majeures parce que notre élève, son élève en fait, va euh, apprendre à jouer faux. Et euh, souvent, plus on répète quelque chose, plus on s'habitue à faire quelque chose, mais plus ça reste. Donc je dirais que les collants, pour moi en tout cas, je trouve que c'est primordial, au moins pour la première année, si c'est pas plus, jusqu'à ce que ne les regardant plus, vos doigts sont toujours au bon endroit. Donc ça, pour moi, je trouve que c'est vraiment important combien de concerts j'ai vu de différents professeurs qui, qui enseignent autrement quand même très bien. Je ne je, je veux pas euh, parler contre les professeurs, mais. Ça, ça, ça fait du tort aux élèves. Donc, euh, combien de concerts ce que j'ai vu ou ce que c'était faux? Du début, première note à la dernière note du concert. Et pourtant, c'est si simple. Il suffit de rajouter des collants sur notre violon. Vous allez sur mildorviolon.com, barre oblique, justesse, et on vous donne euh, un petit encadré. Vous donnez votre courriel. Et puis, à ce moment-là, on vous, on vous donne les quatre mesures pour mettre les quatre collants sur votre violon. Euh, je ne sais même pas pourquoi est-ce que je disais ça. Ah oui, c'est ça. Donc, pour le vibrato, attendez... C'est ma recommandation euh, que vous êtes certain d'où vont vos doigts et qu'ils vont se placer tout le temps du premier coup avant de dire qu'on rajoute du vibrato. Euh, voilà. Euh, sinon, oui, je, je prévois faire euh, un webinaire sur le vibrato éventuellement. Euh, donc oui, certain, ça s'en vient. Euh, Salma, merci beaucoup d'avoir participé. Euh, plus traditionnel dans les sessions, on voit plein de gens avec toutes sortes. De position, oui effectivement, euh, oui euh, dans les euh, quand on voit des gens qui jouent du traditionnel, du folklorique, effectivement on voit des gens avec toutes sortes de positions. Euh, écoutez, je suis pas là pour vous dire que c'est impossible de bien jouer du violon avec une tenue différente que celle que je vous ai montrée. On le voit, certains violonistes, certains même grands violonistes réussissent à bien jouer du violon avec d'autres positions. Ils arrivent à compenser ou euh, faire en sorte que bon, ils s'habituent puis ils deviennent, euh, ils deviennent bons malgré les, euh, les problématiques que je vous ai soulignées avec la tenue de, de l'instrument quand, quand on ne fait pas cette tenue d'instrument. Euh, effectivement, on voit plusieurs personnes, surtout la chose que je vois le plus, c'est des violons qui sont à l'avant la, comme ça ici. Si les gens ont appris comme ça, ils jouent bien, ça fait des années qu'ils jouent comme ça. Fantastique pour eux. Euh, C'est possible de bien jouer aussi sans cette technique-là. Euh, mais celle qui va, dès le départ, vous donner plus de chance, ça va justement être la technique que je vous ai montrée, à cause de toutes les raisons que je vous ai dites aussi. Merci beaucoup, Cynthia. Euh, euh, qui sont tout à fait fausses? Super, merci. Je déteste le vibrato, je n'y arrive pas. <laughs> Mon Dieu, Cynthia. Oui, je comprends. Je comprends comment est -ce que tu te sens. Elle dit, je déteste le vibrato, je n'y arrive pas. Je comprends ça vraiment beaucoup. C'est pas donné à tout le monde d'avoir un vibrato qui est naturel ou d'y arriver rapidement et facilement. Je vois que c'est un sujet qui revient beaucoup. Je vois Salma qui en a parlé, Cynthia, que tu en parles aussi. Je sais que c'est un sujet qui vous intéresse. Ayant dit ce que j'ai dit, comme quoi que j'essaie d'éviter que les gens commencent trop tôt, je vois quand même qu'il y a un intérêt. Donc oui, je vais, je vais faire un, un webinaire là-dessus. Euh, et prochainement, je vais, je vais voir. Si ce n'est pas la semaine prochaine, ça va être l'autre ou chose comme ça, mais je veux, euh, je veux vous en parler parce que je pense qu'il y a définitivement un intérêt ici. Je vais continuer à faire le tour. Euh, je, vais, je vais vous dire rapidement euh, qu'est-ce que j'avais dit. Euh, quand on est assis au violon, euh, attention d'avoir une chaise qui n'a pas d'accoudoir et une chaise qui n'est pas trop haute aussi on veut avoir les genoux qui sont on peut avoir les pieds au sol puis les pieds bien confortables donc le plus possible les genoux à 90 degrés on garde toujours la colonne droite, ça c'est important. Si on s'assoit sur une chaise, le but c'est pas de venir se coller dans le fond de la chaise parce que là à ce moment-là, on a toute la problématique d'avoir un violon qui va être trop par, par l'avant comme ça. Donc on garde la colonne droite. Souvent là, le truc c'est de s'asseoir au bout de notre chaise et à partir de ce moment-là, on a moins cette tendance-là à aller venir s'accoter dans le fond et on, on réussit à avoir justement une colonne droite, les épaules ouvertes, comme si on avait notre violon. Euh, placé comme si on était debout en fait. Euh, bout de la chaise. Voilà, c'est ce, ce que je voulais rajouter dans le fond. J'ai fais un dernier tour des sites web parce qu'on a terminé le sujet aujourd'hui. Euh, donc, je, je suis là pour répondre à toutes vos questions. Gênez-vous surtout pas, c'est tellement agréable de pouvoir avoir des vraies questions puis d'aider les gens le plus possible euh, là-dedans. Je ne vois pas sur... Euh, sur mildorviolon.com qu'il y a des questions directement sur notre site. Je fais une dernière vérification. Il ne semble pas y avoir de questions, effectivement. Ensuite, euh, sur YouTube, il y avait beaucoup de gens qui participaient. Ok, oui, je, je les vois rentrer d'un coup. Euh, Laurent, merci beaucoup, ça me fait vraiment plaisir. Les appels vidéo sont disponibles au Canada. Euh, du Canada à la France. Euh, je vais être complètement ouvert avec vous. Je n'ai pas fait l'essai jusqu'à maintenant. De toute façon, il y a toujours, vous allez voir sur euh, mildorviolon.com dans la section, euh, 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 mon Dieu, c'est quoi? C'est cours privé, justement. Quand vous prenez rendez-vous, vous avez une première rencontre gratuite. Okay? Une première rencontre d'information, attention, ça ne sera pas un cours. Si vous avez des questions pour moi sur le fonctionnement de Villon, etc., on se fait une petite rencontre. Puis à ce moment-là, si justement vous êtes en France, vous voulez vérifier que la connexion est bonne, etc., euh, ben à ce moment-là, ça va nous aider à, à, à le voir tout de suite. Puis à ce moment-là, si ça fonctionne bien, super. Sinon, je sais. Parce qu'à date, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'au Québec, euh, j'ai fait des tests avec des gens qui sont jusqu'à... Le plus loin que j'ai été, c'est Shibugamo. Et à Chibougamau, qui est quand même très loin d'où est-ce que je suis présentement, on avait un délai d'à peu près une seconde. Donc, euh, et si ce n'est pas Facebook, euh, des appels vidéo sur Facebook Messenger, ça peut être sur Skype, par exemple, ça peut être FaceTime. Donc, il y a des, des choses qu'on peut essayer ensemble, justement. Donc, la première rencontre d'information, euh, je vais répondre à vos questions globalement mais ça va nous permettre justement de voir est-ce que la connexion est bon? ça marche, c'est beau, parfait. on prend un, un prochain rendez-vous puis là à ce moment là on commence. ou sinon ben euh, écoutez faites un test euh, avant euh, avec, euh, avec des gens du Québec aussi mais bref si je suis capable d'aider euh, euh, de faciliter ça, ça va me faire plaisir de regarder mais pour l'instant je ne peux pas répondre avec assurance comme quoi qu'en France ça fonctionne. J'ai l'impression que oui, parce que quand on regarde à la télévision, souvent ils vont utiliser exemple Skype pour faire des appels. Et on voit justement le... C'est même l'interface Skype qu'on voit dans les nouvelles, des fois, quand ils vont parler avec des gens qui sont outre-mer. Donc, il semblerait que la connexion elle soit, elle soit quand même assez bonne. Ça reste à prouver, mais mon feeling est bon de ce côté-là. En tout cas, je, ben, je pense que mon feeling est bon. Euh, merci beaucoup, au Canada. Voilà. Vous pouvez faire une séance pour montrer le vibrato. Voilà, troisième personne qui m'en me, qui parle. Euh, oui, certainement, je, je vous l'ai dit, on va en parler éventuellement. Je vais y penser même plus vite que je pensais parce que je vois que vous êtes beaucoup... Euh, Marc Boudet, merci pour toutes ces informations. Marc, ça me fait, ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Euh, Antoine. Personnellement, mon vibrato s'est développé tout seul en mettant de l'émotion dans une pièce. Effectivement, l'émotion y est pour beaucoup. Il euh, ne faut, faut pas négliger la technique aussi. D'avoir une technique qui va favoriser le fait que le vibrato vient naturellement, justement, va faire en sorte que ça va faire toute une différence. Parce qu'il y a différentes façons de faire du vibrato. Et puis la problématique, c'est que si on, on utilise une mauvaise façon ou une façon qui est... Euh, qui ne favorise pas que ça se fasse naturellement. Mais à ce moment-là, même si on y met tout notre cœur, toute notre émotion, ça ne veut pas nécessairement dire que ça va fonctionner. Donc, j'ai beaucoup de choses en tête que je peux déjà vous dire pour ce qui est du vibrato. Euh, mais effectivement, c'est vrai. Il faut y mettre son cœur. Tu as tout à fait raison, euh, Antoine. Perfectionnatin, ça va venir tout seul. Euh, le vibrato, j'en suis loin, mais j'avoue que j'ai peur. <laughs> Marc s'il y a une chose qu'il ne faut pas avoir peur, c'est la beauté dans ce monde. Donc, inquiète-toi pas, on va te donner la bonne technique. Et puis à partir de ce moment-là, ça va être juste à être agréable. Donc, je vois que vous êtes beaucoup qui veulent vraiment parler de vibrato. On va y revenir certainement. Je fais un dernier tour des réseaux. Euh, Patrick, mes maris, hein? Patrick avec qui j'ai travaillé pendant longtemps. Salut Patrick, je suis vraiment contact que sois là euh, Kathleen, ma femme, qui est là, bon, voilà. Euh, ensuite, euh, sur Twitch, sur Twitch, il n'y euh, a pas grand monde. Je ne sais pas si ça fonctionne bien, mais il n'y a pas grand monde. Et finalement, sur notre site Internet, j'y vais pour une dernière fois. Voilà. Il semble que ce soit, euh, que ce soit tout pour aujourd'hui pour ce qui est des questions. De toute façon, à tous les dimanches, on se rencontre euh, ensemble. Aujourd'hui, je suis bien content de vous avoir parlé de la technique du violon. On va parler de plusieurs autres sujets à tous les dimanches. Et puis, je vais essayer de faire en sorte que ce soit toujours clair puis euh, précis. par en même temps, vos questions sont toujours les bienvenues, vous le savez. Si, entre-temps, vous pensez « Ah, oh, j'aimerais ça lui poser comme question euh, », vous pouvez aller sur info commercial .com pour nous envoyer vos questions. Euh, si vous voulez euh, euh, apprendre le violon, allez sur mildorviolon.com. Et comme je vous dis, le cours « Violoniste débutant », c'est 11 heures de contenu vidéo, c'est 80 capsules vidéo. Des quiz, des exercices, des partitions. Vous avez même des partitions vidéo, ce qui fait en sorte que vous jouez en même temps, de voir la partition qui défile comme il faut. Euh, moi, je joue en même temps, le piano joue en même temps. Euh, on fait des exercices de lecture, euh, de la théorie musicale. des... Ex... Bref, dans le cours violoniste débutant, il y a 100% de ce que j'enseigne avec à mes élèves, si ce n'est la partie euh, où. Euh, justement, la partie coaching, si vous voulez, que j'appelle. Donc, cette partie-là, mais à ce moment-là, c'est au besoin. Vous prenez un rendez-vous euh, pour les cours privés au besoin, mais sinon, toute la matière, vous, avez, vous êtes à même de pouvoir l'apprendre par vous-même et d'avancer le plus rapidement possible, si vous voulez, ou le plus lentement et euh, le plus lentement possible et à votre rythme. Et c'est vraiment ça que je veux qu'on retienne. Les cours en ligne vous donnent cette flexibilité-là. Vous allez à votre rythme, c'est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Bref, allez vous faire un petit tour au cours euh, violoniste débutant. Merci beaucoup d'avoir été là avec moi aujourd'hui. Mon nom est Jean-François McDonald. Ce fut un plaisir comme toujours. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. Pour euh, euh, un nouveau euh, webinaire. Merci beaucoup. Bye bye. Tutoriel vidéo, partition, accompagnement. Apprenez le violon en ligne dès maintenant sur mildeurviolon.com.